Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est va être sur le deck que j'ai avec quel deck j'ai réussi à gagner l'attaque contre Sergent Blocus. Donc allez voir cette vidéo, elle sera en description. Donc pour cela, donc je vais vous expliquer un peu ce deck là. Donc c'est un deck d'arène 4 et un peu le début d'arène 5, mais vraiment jusqu'à 1400 trophées, vous pouvez l'utiliser facilement, vous gagnerez presque toutes vos attaques. Donc là, on va faire un petit combat. Donc je vais vous expliquer ça. Donc là, on est en arène 4. Donc ce que vous faites, ici on a très bien comme troupe. Déjà, il commence. Alors vous mettez ça pour éliminer. Pour éliminer. Oh voilà. Pour éliminer. Bon. Voilà. Donc si, je sais pas s'il a les fléchettes, s'il a les fléchettes, voilà, donc vous voyez que vous faites ça et vous êtes sûr de gagner. Regarde, déjà 556, j'aurais gelé, ça aurait été bon, mais j'avais pas envie. Vous lancez la boule de feu pour les gargouilles et voilà, donc là il n'y a plus personne. Donc là, on va peut-être réussir à mettre notre ballon et notre sort duel. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand vous mettez votre ballon, ça déjà ça va m'énerver, parce que c'est pas grave. Donc là, vous mettez vos barbares. Faut toujours une troupe aérienne. Et après vous mettez une troupe aux autres. Mais toujours une troupe aérienne. Donc là on sait pas trop ce qu'il fait. Hein. En fait c'est un deck un peu qui fait rager. Parce que, regardez, sachant qu'il a pas de fléchette. Ah si, il a une fléchette, bien joué. Mais c'est pas grave, donc vous voyez quand même une couronne. Donc on va essayer de faire la deuxième. Donc là, bon bah là, je pense qu'il est désespéré. Allez, que là, quand même, là. 208, 600, 500. On va pas y aller. Bah, tenez, hé. Hey. Vous voyez ce que je vous ai dit? C'est un deck qui fait rager. La preuve, le mec, il a quitté le combat. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe, donc comment il faut mettre ses troupes. Donc on va pas aller là. Donc vous attendez d'avoir 10. Une fois que c'est 10, vous mettez votre ballon. Et là, arrivez là. Donc on va voilà. Donc s'il y a des troupes, vous attendez, hop, vous calculez qui est le plus d'élixir et vous gelez. Et là, vous gelez, vous gelez, vous gelez. Et voilà. Et donc après il est mort. Donc ici vous mettez vos quatre petits barbares. Et par derrière, bien sûr, si vous avez détruit une autre tour, donc comme ça ça focus. Ah dommage, ça aurait dû focus. Bon bah voilà, ça fait un max de dégâts. Et bim, 3 étoiles. 3 couronnes. Donc c'était magnifique. Donc ça c'était pour la première attaque. Donc on va s'en faire une deuxième attaque. Donc j'espère que ça va être comme celle-ci. Donc toujours à Rennes 4, hein. Toujours avec le même deck. Donc en fait le principe de ce deck, c'est ballon, vous gelez toutes les troupes et par derrière vous mettez vos hordes de gargouilles. Si il a déjà balancé des barbares ou un dragon, est-ce que vous faites, vous l'empêchez, donc soit des barbares, donc ça va très bien pour la boule de feu, bien sûr, de level 5. Et si bien sûr vous n'avez pas ça, bah vous mettez vos barbares. Si vous les avez pas non plus, parce que ça se peut, hein, vous les avez pas, vous mettez le dragon, le bébé dragon qui lui va faire le taf. Et voilà, vu que c'est par assez une grande zone de dégâts. Et en plus il est rapide. Donc voilà, donc on va passer à la deuxième attaque. Donc toujours en arène 4. Donc là, vous voyez que dommage, on n'a pas le ballon ni le sort du gel. Alors, c'est pas grave, on va voir comme ça ce qu'il a. Donc, on va déployer nos gargouilles, horde de gargouilles, voilà. Donc là, il a décidé de partir par là. Donc, vous voyez, troupe au sol, troupe aérienne, parce que les trois petites gargouilles, ça fait quand même pas mal de dégâts. Bien joué de sa part. Donc là, excellent. Alors aussi on peut faire, si vous n'avez pas le ballon, directement barbare sort de gel, mais il faut vraiment une troupe qui est beaucoup, qui tue beaucoup d'un coup. Donc, par exemple les barbares tout seul ils arrivent à détruire la tour. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça et on va faire ça. Vous voyez quand même d'un coup avec l'ordre de gargouille,
Tac, ils arriveront pas. Voilà, si j'avais, je l'aurais gelé. Mais là, ça a gelé parce que j'en étais sûr qu'il allait mettre la boule de feu. Donc là, c'est excellent. Ballon sort de gel. Donc, attendez. Donc, je vais faire le ballon sort de gel. Donc, lui aussi, il a un ballon. Donc, ça va être chaud. Mais c'est pas très grave. Donc, ballon sort de gel. Donc, regardez bien. Donc, vous attendez. Bon, ça, il a posé ça. C'est très bien. Hop, donc ça nous arrange. Vu qu'il n'y avait plus d'élixir. Voilà, et donc là, une couronne. Donc là, faudra peut-être se dépêcher, sinon là, il va faire une couronne, le mec. Voilà, donc là, c'est bon, il a pas fait de couronne. Il va y aller par les fléchettes parce qu'il sait plus quoi faire. Donc c'est comme l'ancienne vidéo, c'est un deck qui fait rager. Et oui, comme je vous l'ai dit. L'ancienne attaque, excusez-moi. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher les deux couronnes. Donc là, vous mettez de chaque côté, comme ça, au moins, voilà. Bon bah, il a décidé de tout mettre là, et là, laisser en plan, toc, et voilà, 1689. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, tac, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça, il a même pas réussi. Donc ça c'est fait. Sachant qu'il a le ballon, donc faut pas trop abuser de l'élixir là. Donc là, voilà, on va faire avec le géant, parce que là, une fois, il est mort, après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va geler ça. Voilà. Ça, on va faire ça. Toc, c'est fait, il n'y a plus personne. Là, on va essayer de... On va essayer, en tout cas, de garder nos tours, si on arrive. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et tac, 3, 2, 1, fini. Donc vous voyez quand même c'est un deck qui est superbe. Donc si vous cherchez à monter haut en trophée. Donc voilà, donc 4 couronnes sur 10. Donc voilà, donc 1314. Et donc j'espère que ce deck vous sera utile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez changé. Par exemple à la place des gobelins si vous avez mis des archers. Donc je le testerai et je vous mettrai ça en vidéo. Allez, ciao !